Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. J'ai terminé aujourd'hui mon coloriage Emmanuel Collin, donc j'ai appelé la jeune fille au pivoine puisqu'elle a plein de pivoines dans les cheveux. Donc je l'ai terminé aujourd'hui, je la trouve super belle, voilà. Je suis toujours essoufflée comme d'habitude, pourtant je n'ai qu'un escalier à monter hein. J'ai pas compté les marches, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est juste un étage. Je suis toujours essoufflée. Je n'ai plus 20 ans. Hein. Oui, donc j'ai fini ce coloriage aujourd'hui. Je n'ai fait que ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas eu le temps de faire autre chose? Je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait deux courses ce matin, enfin au supermarché. J'ai fait autre chose. Ah oui, j'étais dans mon jardin. Voilà. Parce que j'avais un pied de... Alors, c'est l'année dernière, je crois que je l'avais mis. Ou l'année d'avant. Pareil, je ne sais plus. J'avais mis un pied de sauge. Donc, j'avais acheté le pied de sauge sur un marché en Belgique. Mais le pied de sauge était comme ça quand je l'avais acheté. Hein. Et là, il est devenu comme... Il était comme ça, je vous jure. Mais alors, énorme. Avec des bois, des troncs, carrément, comme ça. Mais en plus, je ne me sers pas de la sauge du tout. Donc, pourquoi avoir acheté un pied de sauge? Je ne sais pas. Et puis là, avec le gel, l'hiver, la neige, la pluie, le vent, ben, il était tout fané. Donc, je me suis dit, je vais couper les branches ben, qui sont mortes, enfin, qui sont fanées. Et puis, j'ai commencé à couper avec un sécateur qui ne coupe plus. Il va falloir que je pense à réinvestir dans un sécateur. Et puis, quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'il y avait un gros trou au milieu, du coup, j'ai dit, bon, on continue. Hein. Donc, j'étais chercher la scie parce que plus moyen de couper les branches, du coup, avec le sécateur, parce qu'elles étaient vraiment comme ça, hein, mais... Des grosses branches, comme un arbre. Enfin, comme un arbuste, on va dire. On va pas exagérer. Et du coup, c'est Chouchou qui est venu m'aider. Parce que il voyait que j'étais avec la scie. Pas moyen de couper ces branches de sauge. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, du coup, il ne me reste plus qu'à enlever le pied de racine. Enfin, la racine qui est en terre. Je dis, ça, je le ferai un autre jour. Mais le truc était devenu énorme, je vous jure, mais... Ah oui, 1,50 m hein, de diamètre, sur bien 1 mètre de hauteur. J'ai fait chier, il était comme ça, tout petit. Oh là. Mais bon, comme ça, j'ai plus de pied de sauge. Ben, ça ne me gêne pas. C'est vrai, je m'en suis jamais servi. Pas pourquoi j'avais acheté ça. De toute façon, il me prenait la moitié de mon chemin pour aller dans le jardin, donc ça me gênait plus qu'autre chose. Donc là, bon, je sais que le temps il va commencer à se remettre, donc je vais pouvoir retourner un petit peu au jardin parce que j'ai vu que les fraisiers, il faut que je les nettoie. Faut que je nettoie mes parterres de fleurs, il faut que je m'occupe de mes rosiers, de mes framboisiers, de ma pelouse. Il faudrait que j'essaye de bêcher le fond du jardin, mais alors là, ah, je ne sais pas comment je vais faire, parce que c'est béton. Je sais qu'il y a 2 ans, on me l'avait retourné avec un motoculteur, mais là, je ne sais pas, on verra. Tant pis, on verra bien. Sinon, je sais que le voisin, il a un petit motoculteur, mais bon, lui, s'en sert pas parce que, bon, ben, il avait été blessé, puis du coup, il ne le fait plus. Je lui ai demandé s'il ne veut pas me prêter son fils, le motoculteur, pour le faire. Parce que là, non, bêcher, je sais plus. Surtout quand sur le terrain est très, très dur, comme ça. On verra. Et je dois... Alors là, par contre, je suis en colère, mais bon... le voisin est gentil, donc
Je ne dis trop rien parce que bon, lui, il y a eu la tempête de vent. Alors, il a fait un poulailler. Mais alors, le poulailler, il n'arrête pas de rajouter des poules. Alors, dedans, il a mis des poules, des oies, des canards, mais le truc est tout, il n'est pas grand. C'est un truc où on peut mettre quoi, 4 poules, 5 poules dedans. Et dedans, je lui dis, il a mis des oies, des poules, des canards. C'est une horreur. Et toute la paille. Il y a plein de paille qui tombe dans mon jardin et puis ça pue, mais ça pue, ça pue, ça pue. Pourtant, j'adore les. J'avais un poulailler, moi. Le mien, il n'a jamais pué. Mon poulailler n'a jamais senti. Mais lui, c'est une infection. Et alors, du coup, j'ai toute la paille qui revient dans mon jardin. Donc, il faut que j'aille acheter des canisses parce que je vais bloquer, moi. Il n'y a pas, il faut que je bloque, je veux plus voir sa paille là et je veux plus voir les têtes. Alors j'ai son coq là qui passe sa tête à travers mon grillage. Et le poulailler, il est collé à mon grillage. Voilà. Donc, mais bon, sa femme est handicapée. Bon, et lui, bon, c'est un peu une. Il est gentil, hein, mais bon, voilà. Et oui, c'est pour ça que j'expliquais. Oui, je suis repartie sur autre chose. Il y avait eu la tempête de vent. Et sur son poulailler, il avait mis une petite porte de portail en fer et une tôle. Donc au-dessus du poulailler, mais la tempête de vent, là, tout s'est retrouvé dans mon jardin. Et il m'a cassé mes nains de jardin. Bon, c'est pas de sa faute, là, c'est le vent, hein. On n'y peut rien. Bon, j'étais pas contente, mais bon. J'y tenais à mes nains de jardin. Et donc, mon mari l'a aidé pour récupérer ce qui était tombé dans le jardin. Et ben, une heure après, il est venu frapper à la porte. Il m'avait racheté deux nains de jardin. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas trop me disputer avec lui. Parce que bon, je sais que. Voilà. Bon, je vais juste quand même lui faire la réflexion de dire, la paille, elle tombe. Pas faire quelque chose, mettre une petite tôle, une mini tôle, voilà, une petite tôle comme ça, vous savez, même 30 cm dans le bas du grillage pour pas que la paille elle continue à venir dans mon jardin. Mais c'est vrai, une heure après, oups, il est revenu, il m'avait racheté deux nains de jardin. Je suis contente. Pas comme l'autre voisin, vous vous rappelez, l'année dernière, je crois. Ces chiens m'ont bouffé, m'ont cassé mes arbres et m'ont bouffé mon grillage. Il m'a jamais remboursé, hein. Jamais. De toute façon, je lui dis plus bonjour, je le regarde plus, il me regarde, je le regarde pas. Voilà. Bon, on n'en était pas là. Je raconte ma vie là aujourd'hui. Non, aujourd'hui, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait que mon petit coloriage. Et puis j'avais fait un dessert aussi. Comme il me restait de la génoise de mon gâteau de dimanche, j'avais pas eu besoin de toute ma génoise. J'ai fait un goûter aujourd'hui. J'ai fait un trifle. Vous savez pas ce que c'est, ça, un trifle. Bah, ce que je vais faire, je vais vous mettre la photo dans la communauté et je vous mettrai la recette. Voilà. Là, j'ai pas fait de vidéo, donc, mais je vous mettrai la recette dans la communauté avec la photo. C'est bon. Pour le petit ventre. Miam, miam, miam. Que c'était bon. Alors, bah, ça évite de jeter du gâteau. C'est un dessert anglais, ça, normalement, mais c'est super bon, hein. C'est pas des trucs bizarres hein, dedans. On peut le faire avec plein de choses. Voilà, alors du coup, j'avais fait ça, j'avais fait mon goûter, et puis un petit peu le jardin et le coloriage. Voilà, et un petit peu les courses ce matin, parce qu'il me manquait des choses pour faire mon trifle. Voilà. Demain, je ne sais pas ce que je fais. On verra. Je dois vous faire une vidéo. Alors, parce que avant que
Le dernier jour avant que. Donc c'était le vendredi, oui, avant qu'il y ait le semblant de confinement dans ma région. Donc moi je suis dans le nord, hein. Bon, je dis semblant hein, de confinement parce que ça n'en est pas un du tout. Je suis allée à Action. Et donc les Actions sont ouvertes hein, par chez nous, mais ils sont bâchés. Donc là maintenant, le rayon loisirs créatifs est bâché. Le rayon. Alors j'aime bien. Le jardin n'est pas bâché. Mais ce qu'ils vendent, vous savez, pour tuer les bestioles, ben, si vous avez des souris, des rats, ou des. Ça, c'est bâché. Donc vous pouvez avoir des souris chez vous, mais vous ne pouvez pas acheter le produit pour tuer les souris. Les pantoufles, les savates, tout ça, c'est bâché. Mais vous pouvez acheter des chaussettes. Surtout des conneries comme ça. Mais bon, enfin. Donc moi, j'avais été la veille avant que ça. Avant le confinement. Et donc, j'avais racheté des petites choses. Enfin, j'ai acheté 3 articles pour le coloriage. Donc, je vous ferai une vidéo demain, peut-être. Ouais. Donc, ça fait déjà un moment, du coup, plusieurs jours que je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc, je vous le ferai. Et j'essaierai de faire ça demain. Demain, je la ferai demain soir et vous l'aurez après-demain. Voilà. Suis un peu comme ça aujourd'hui. Comme ça, je vous montrerai ce que j'avais acheté. Bon, il n'y a que 3 articles, hein, mais c'est parce que j'ai des petites choses à dire sur un des articles. Voilà. Bon, maintenant, je vous laisse. Je vais vous laisser quand même visionner cette vidéo. Donc, c'est la fin de ce coloriage. Là, il est enfin terminé. Et demain, chez Amazon, justement, je reçois un cahier d'Emmanuel Collin. Voilà. J'en ai commandé un. Je suis contente. J'ai hâte de le recevoir demain. Et ben, je vous ferai la vidéo aussi pour vous montrer. Pour vous montrer ce carnet d'Emmanuel Collin et je vous montrerai les dessins qu'il y a dedans. Allez, maintenant j'arrête. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage et plein de petits commentaires et des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Bisous bisous.
Mmh.